Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Et déjà, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas de numéro 229. Le 229, c'est le Bénin. Je n'ai pas de numéro 229. Déjà, il y a deux ou trois personnes qui utilisent mon nom au Bénin pour vouloir arnaquer mes amours ou mes abonnés que vous êtes. J'ai même déjà pris contact avec les autorités béninoises. Je sais que s'ils continuent, Inch'Allah, on va les attraper. Mais vous, je vous dis que je vous n'ai jamais donné un numéro 229. J'ai toujours donné un numéro 225 qui est mon numéro d'Abidjan. Et c'est 225 97 36 17 81. Donc, ceux ou celles qui vont aller prendre les 225 sous mes publications que les Béninois et les escrocs qui se font passer pour moi mettent sous mes postes. Si vous prenez pour aller vous commander des choses avec eux, ça va te risquer péril. Je vous dis toujours que je n'ai pas de 229 comme numéro. Et à chaque fois que je voyage, je dis où je suis. Je ne suis pas encore allé au Bénin. Donc faites très attention parce que vous aussi, on vous parle toujours, mais vous n'écoutez pas. Faites très attention. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve dans un pays, je dis où je suis. Je suis au Burkina Faso. Je suis bien au Burkina Faso, à Ouaga. Donc, celui qui va aller écrire avec un 229, c'est à toi de voir. Parce que déjà, moi, mes WhatsApp, là, tout le monde les connaît parce que j'ai mon logo dessus. Je vous ai déjà averti, hein. Je ne vais plus parler de ça. Maintenant, mes amours. Pour mon anniversaire, j'appelle ça pré-anniversaire, au fait. Mon anniversaire, c'est bientôt. Donc, avant de quitter le Burkina Faso, j'ai décidé de partager avec mes amours du Burkina Faso, ensemble, fêter mon anniversaire qui sera le 24 février, janvier. Le 24 janvier, à partir de 16h, chez moi, où je réside à Tanguay, non loin du marché de bétail. Tous ceux qui sont à Ouagadougou, vous pouvez arriver au marché de bétail de Tanguin. Vos appels ne sont pas loin, on va vous indiquer. Je vais juste partager avec vous, passer un bon moment avec mes amours du Burkina Faso. Et en même temps, vous aurez l'occasion de me poser des questions et en même temps avoir les bains comme cadeau pour partir chez vous par rapport à ce que vous allez proposer comme on appelle ça comme problème. Je vais vous donner ces trucs-là. Tout n'est pas à vendre. Moi, Maman Fatou, il y a beaucoup que je donne gratuitement. Tout le monde le sait. Donc, mes amours du Burkina Faso, vous êtes invités. Passez, venez le 20, en février, non. Le 24, vendredi, on va partager un bon moment ensemble. Vous êtes tous invités. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, Bobo Dioulasso, n'importe où, vous êtes tous invités. Ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous pouvez m'envoyer les messages le jour là. Parce que je vais faire tout ce qui est, on appelle ça comment? Consultation gratuite. Je vais faire la consultation gratuite, quelque chose que je ne fais jamais. Consultation gratuite. Et je vous donnerai les remèdes gratuitement aussi. Donc, vous appelez. Et ceux qui peuvent passer, ça sera bien. Vous allez me voir directement et poser toutes vos questions. Excusez-moi, maman Fatou est grippée le matin et puis la poussière, ça me fatigue un peu. Maintenant, aujourd'hui, je vais donner une recette pour tous ceux qui font les commerçants. En tout cas, tous ceux qui font dans le marketing commercial et autres. Un bureau d'assurance, magasin, boutique, atelier. En tout cas, où le client vient. Restaurant, tout et tout. Vous aurez besoin des racines d'un arbre qui a poussé dans un grand marché. Ça veut dire l'arbre doit être au milieu du grand marché. Et il a, celui qui a vieilli, un vieux, très vieux arbre qui a poussé au milieu d'un grand marché, vous allez prendre les racines des quatre côtés, nord, sud ou bien est, ouest, mais les quatre côtés. Maintenant, vous allez aller chercher la nourriture dans une cérémonie de mariage. Si y a un mariage quelque part, vous allez prendre cette nourriture-là avec une poule blanche. Et tout ça, là, vous allez calciner ensemble.
faire votre poudre, mais la poudre doit se mettre dans ce genre de tissu. Ça doit être dans un tissu, mais pas dans un papier ou bien une boîte, non, dans un tissu que vous allez faire comme ceci. Et ça, vous allez l'attacher avec votre, ce que vous souhaitez, vos vœux, vos souhaits, vous allez dire, et attacher à l'entrée de votre boutique ou bien magasin ou bien restaurant, tout et tout, à l'entrée. Et garder un peu de cette poudre que chaque matin vous allez faire votre incantation dessus. Et voilà. Et quand vous allez attacher, il fait quoi déjà? Il appelle les clients. Et quand les clients arrivent, qu'ils rentrent, celui qui a traversé le seuil de votre maison où ça, il est accroché, il devient client fidèle. Il ne peut plus faire autrement. Il est obligé de venir tous les jours. Il est obligé de venir à chaque fois qu'il a besoin de vous. Il est là. Il ne va pas quelque part. C'est tous les restaurants et autres, les boutiques et autres. Là. Le client, il va venir à tout moment. Mais lui, il vous envoie beaucoup, beaucoup de clients. Donc, voilà ça. Mais moi, je n'ai pas beaucoup. J'ai que... Il n'y a que 10 sacs de ça. Et c'est pas réservé parce que c'est un truc qui est un peu compliqué à faire. Donc, voilà. Donc, mes amours, allez réaliser ça et puis mettez pour avoir de la clientèle pour que les choses marchent parce que c'est souvent vraiment dommage que tu t'asseyes toute la journée. Il n'y a même pas un client qui passe. Donc, c'est pour cela que je vous donne ça aujourd'hui. Et voilà, c'était ma toute petite vidéo. Et je vous dis encore que je n'ai pas de numéro du Bénin. Et je ne suis pas au Bénin, je suis au Burkina Faso. Donc arrêtez d'aller écrire à des numéros 229. Je n'ai pas de numéro 229 parce que si je suis au Bénin, je vous dirai que je suis au Bénin. C'était ma vidéo. Bisous à vous, mes amours, et à très bientôt. Ceux de Ouaga, ceux du Burkina Faso, vous êtes invités vendredi 24. À 16h chez Maman Fatou. Bisous.